Breaking news. Breaking news. Breaking news. Soudan, le Soudan du Sud, ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le Soudan du Sud ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Le dirigeant rebelle Riek Machar a été nommé samedi dernier à Juba, premier vice-président, conformément à un accord de paix conclu en 2018. Une investiture qui relance les espoirs de paix dans ce jeune pays ravagé par la guerre depuis 6 ans. C'est avec son rival de toujours, son excellence Salva Kiir, que Riek Machar va tenter de gouverner pour la troisième fois depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. J'ai pardonné à mon frère, le docteur Riek Machar, et premier vice-président de la République du Soudan du Sud. Et je lui demande également pardon. J'invite tous les habitants du Soudan du Sud à se pardonner. Les deux hommes sont issus de deux ethnies différentes. Le Soudan du Sud a sombré dans une guerre civile en 2013 lorsque son excellence Salva Kiir a accusé Riek Machar de fomenter un coup d'État. Le conflit a fait en 6 ans plus de 380 000 morts et provoqué une effroyable crise humanitaire. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.